Wow! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Ce que nous allons voir, c'est un truc de ouf. Moi, je n'ai jamais vu un truc pareil. Quand il pleut dans certaines régions, c'est la catastrophe, hein? Mon Dieu! Et dans ces telles conditions, il faut vraiment conduire avec prudence pour éviter même certaines choses. Ce que j'ai vu et que j'aimerais partager avec vous est étonnant. Vous pouvez vous abonner et partager cette vidéo. Ok, suivez-nous en studio. Nous allons essayer de voir ça ensemble. C'est dur à expliquer. Il est préférable de voir la chose pour pouvoir bien comprendre ce que nous allons vous dire. Mes frères et sœurs, ça c'est extraordinaire. Regardez même ça. Comme vous le voyez, on voit un véhicule, un gros véhicule qui est juste là. Et comme vous pouvez voir, ce véhicule se trouve dans l'eau. Et c'est pas de la blague. Comment ce véhicule est-il arrivé jusqu'à là? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Déjà, regardez ça. On voit un endroit étrangissime. Personne ne sait ce que se trouve dans cet espace dans l'eau ici. Quelqu'un va dire que c'est juste des flaques d'eau. Mais, quand vous allez voir ça, vous serez tout de suite surpris. Regardez très bien. Les véhicules arrivent. Ils arrivent. Ce que nous allons voir est hors du commun. En tout cas, moi, c'est ma première fois. La première fois, je vois tout pareil. Regardez. Déjà, le véhicule là-bas est dans de l'eau. Au fond, il est dans de l'eau. Et le véhicule arrive. Ça, c'est vraiment tout de ouf. Regardez ça. Et le véhicule entre dans de l'eau juste comme ça. Waouh! L'un après l'autre. Est-ce que vous remarquez ça? C'est vraiment étrange ici. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous vous rendez compte que sous les flaques d'eau là se trouve un gros trou? Et les gens applaudissent. Apparemment, c'est la joie là-bas. Vous avez vu comment c'était? Est-ce que vous avez vu ça? Regardez comment c'était. Des flaques d'eau ici. Et les gens. Waouh! Peut-être que ceux qui sont là savent clairement ce qui se passe. Mais regardez vous-même. Chez nous, on dit il faut se méfier de l'eau qui dort. Décidément, il faut vraiment s'en méfier. Parce que tu ne sais pas quelle est la profondeur de cette eau, quelle est sa profondeur, tu ne peux pas comprendre. Et quand vous regardez encore, c'est vraiment terrible, hein? C'est vraiment bizarre. Qui aurait cru? Donc on peut dire qu'ici, ce n'est pas n'importe quel véhicule qui peut voir. Entrer là. Ce n'est pas n'importe quel véhicule. Il faut vraiment bien équipé. Waouh! Regardez même ça. Mon Dieu! Quand vous êtes en train de voir, c'est pas de la blague. Les choses sont vraiment bien. Ça a l'air simple. Mais ça, à long terme, qu'est-ce qui va se passer avec ces véhicules? Moi, je pense que ces véhicules risquent de se rouiller rapidement, de s'endommager. Il faut que les gens essaient de régler le problème au lieu de se réjouir. Bon, qu'est-ce qu'il va faire de toute façon? Il faut que les gens, quand même,
décide d'arranger quand même les routes, tout ça. Bon, franchement, moi, j'ai jamais vu tout pareil. J'ai jamais vu ça. Je n'ai même jamais vu ça. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo. Juste pour vous montrer. Qu'en pensez-vous? Si ce n'avait pas été filmé, vous n'aurez pas cru. Partagez cette vidéo et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Une vidéo va apparaître également ici. Soyez prêts à la regarder. Vous allez découvrir des choses, mais qui vont même vous étonner. C'est parti. Nous avons notre chaîne. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez aussi avoir accès à nos pages d'accueil. Vous pouvez vous abonner chez Young TV, Young Second 2, Young Second 3. C'est parti. Prenez soin de vous.